D'abord, il y a l'aîné qui est comme un melon, puis qui a gros nez, qui sait même plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui ne fait rien de ses dix doigts, lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, du petit papillon, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, au prix. Puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui n'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de l'air et l'enfant. Notre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit manteau, avec son petit chapeau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Puis il y a les autres. La mère qui ne dit rien. Ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer. Qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille. Et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres me racontent. Il faut vous dire, monsieur, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida qui va être comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, qu'il fera bon y être. Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat. C'est pas bon. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors moi, pour un instant, monsieur, pour un instant seulement, je la crois. Pour un instant seulement. On ne s'en va pas, monsieur, non. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur.